Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, eh bien, bienvenue sur la chaîne. Je voulais à mon tour vous proposer mon top 10 de mes plantes favorites de l'année 2022. J'ai vu beaucoup ce thème sur différentes vidéos de plantes lovers et j'aime beaucoup ce contenu, je trouve qu'il est vraiment très très intéressant. Donc je voulais à mon tour vous proposer mon top 10. J'ai préféré faire un top 10 et pas un top 5 parce que c'est beaucoup trop compliqué de sélectionner les plantes. Déjà que 10 places sur le podium, c'était compliqué pour moi de les choisir, même s'il y avait certaines évidences. Alors comment j'ai sélectionné les plantes que je vais vous présenter aujourd'hui, donc qui font partie du top 10 sur une totalité de 70 plantes à peu près dans mon appartement. Donc il y a eu différents critères. Il faut qu'elles soient depuis longtemps avec moi dans mon appartement, c'est-à-dire que les plantes que j'ai eues vraiment fin 2022, j'ai pas assez de recul si vous voulez pour les mettre dans le podium, donc ça n'avait pas de sens pour moi. Oh ma chérie, vous inquiétez pas si mon chat éternue à côté, c'est ma vieille Minette. Voilà, qui a minimum 14 ans, donc elle vient d'éternuer sur ma robe. Hop, je vais la laisser s'installer tranquillement avec nous. Donc voilà, si vous entendez éternuer, c'est normal, c'est ma vieille Minette qui a une santé très très fragile, donc ne vous inquiétez pas, je veille sur elle depuis de très très nombreuses années. C'est ma compagne depuis plus de 12 ans maintenant. Tu veux t'installer avec moi ma chérie? Donc je vous disais, au niveau des critères, il faut que cette plante soit avec moi depuis assez longtemps, parce que sinon j'ai pas assez de recul. Il y a des plantes que j'ai eues la fin 2022, il y en a d'ailleurs que je vous ai pas encore présentées, ce sera l'occasion d'un futur rôle. Clairement j'ai pas assez de recul pour vous les présenter. Je veux vraiment vous présenter des plantes qui sont robustes, que j'ai trouvées faciles. Également au niveau des nuisibles, je vais vous montrer des plantes qui n'ont, en tout cas chez moi, qui n'ont jamais eu de problème avec des nuisibles ou très très peu. Voilà, donc je vais vraiment vous montrer une sélection de plantes que j'ai trouvé hyper facile et vraiment qui m'ont ravi tout au long de l'année 2022. Je suis vraiment hyper contente d'avoir ces plantes avec moi. Je suis enchantée au quotidien de pouvoir les voir et les admirer. Cette introduction est déjà beaucoup trop longue, donc on va pouvoir passer à la suite. Alors, 10e place sur le classement, je vais vous présenter, et celui-là je vous le montre pas souvent, c'est mon Ficus elastica, mon arbre caoutchouc. Alors je fais attention parce qu'il est très très grand, je l'ai depuis un an et demi, donc vous voyez, j'ai maintenant un bon retour d'expérience sur cette plante-ci, du recul. Voilà, c'est celui-là, il est très très grand, hein. Hop, si, je vais faire comme ça. Voilà, pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée de sa longueur. Alors, cet arbre caoutchouc, figurez-vous que je l'ai carrément ramené de Bretagne. J'étais chez mon meilleur ami qui en avait eu un à l'époque d'ailleurs. Son élastique à lui était mort. Et il se trouve qu'il a un Aldi près de chez lui. Alors si vous me suivez, vous savez que c'est des magasins discount que j'affectionne, les Aldi, parce que je trouve qu'on y trouve une sélection de produits, que ce soit ménager, nourriture, qui est assez intéressant au niveau des prix. Et je trouve de la qualité, et souvent ils vendent également des plantes chez Aldi. Alors il n'y a pas énormément, mais moi j'ai déjà trouvé des pépites, donc même quelques plantes rares. Donc parfois c'est intéressant d'y jeter un coup d'œil, et notamment dans son Aldi à lui, il y avait donc ce gros elastica. Ça faisait très très longtemps que je voulais cette plante. D'ailleurs elle n'était pas forcément en bon état, vous pouvez voir d'ailleurs les très vieilles feuilles qui sont ici, enfin je la coupe celle-ci, qui était, je me souviens quand je l'ai acheté, il y avait des cochenilles, il y avait effectivement des feuilles qui n'étaient pas belles du tout, qui étaient à moitié déchirées. Alors vous allez me dire, bah pourquoi tu l'as pris? Ils étaient, je crois de mémoire, c'était il y a un an et demi, ils étaient à 9 €, et il était pratiquement de cette taille, hein, déjà. Donc c'est vrai que ça ne m'a pas trop fait, enfin
je me suis dit que ça valait quand même le coup, donc je l'ai traité, je l'ai bien nettoyé, et effectivement, j'ai eu raison, parce que vraiment, il se trouve dans ma chambre et il m'a ravi. Et puis, c'est surtout qu'il a poussé de folie, c'est-à-dire qu'il a eu énormément de feuilles au-dessus, et puis, hop, je fais attention parce qu'il est lourd. J'ai des nouvelles branches, en fait, vous voyez, ici, c'est une nouvelle branche, et ce que vous avez devant, là, c'est une nouvelle branche. Si je le pose par terre, vous allez peut-être le voir un petit peu mieux. Voilà. Vous voyez, il rentre même pas dans le champ de la caméra, tellement il est grand. Mais je suis absolument ravie, je suis absolument ravie de cette plante. Il est facile, moi j'ai eu aucun, j'ai vraiment eu pour le moment aucun problème. Il pousse, je l'arrose une fois par semaine. Il n'est pas capricieux, s'il y a des oublis d'arrosage, et ça arrive souvent en ce moment vu que j'ai un emploi du temps assez chargé, il me fait pas la tête, il est très très cool cet arbre-là. Donc vraiment, le Ficus elastica en 10e position, je suis absolument ravie de l'avoir dans ma chambre. Je suis très très heureuse de pouvoir l'admirer au quotidien. En 9e position, je voulais vous montrer ma Monstera adansonii qui se trouve également dans ma chambre. Alors, j'en ai plusieurs, hein, des Monstera adansonii, j'en ai 4 en tout, dont une qui est une bouture de celle-ci. Et je l'adore parce qu'elle est extrêmement dense. Contrairement à mes deux petites, bah vous en voyez une un petit peu derrière, vous vous rappelez, cette petite canne là qui est derrière moi, c'est une adansonii. La petite qui est derrière moi, et j'ai exactement la même dans ma salle de bain, elles sont beaucoup moins fournies. Alors elles sont très jolies, mais c'est vrai qu'elles perdent beaucoup. Elles ont fait des lianes, je pense que ça fait bien plus d'un mètre. Je dois atteindre les 2 mètres de lianes pour celle qui est derrière moi, je pense, j'ai jamais calculé, mais ouais, facile. Et bon, c'est vrai qu'il faudrait que je la taille parce qu'elle a tendance sur les longueurs de ses lianes à perdre ses feuilles. Donc elle se dégarnit un petit peu, c'est vrai que c'est moins joli. Mais alors celle-ci, que je sais plus... Ah oui, je l'avais achetée chez la fleuriste à côté de mon travail, je crois. Je suis très contente parce que vraiment, elle est très fournie. Elle est très très belle. Et j'ai des lianes qui sont, ma foi, très grandes. Et qui, je trouve, ne perdent pas vraiment leurs feuilles, en tout cas actuellement. Donc ça fait, je crois, 2 ans que maintenant je l'ai. Et j'en suis vraiment très très contente de cette adansonii. Alors, je rêve d'avoir une adansonii variegata. Mais je crois que de mémoire, c'est très très cher. Donc on verra si un jour je me lance. C'est pas non plus la plante de mes... C'est pas non plus la plante de mes rêves. Mais ça me ferait vraiment plaisir d'en avoir une variegata. Mais bon, au niveau des prix, ce serait vraiment une folie. Voilà. Pour le moment, je ne vais pas mettre d'argent là-dedans. Mais j'adore cette plante. Elle est vraiment très très facile. Elle, souvent, j'oublie de l'arroser parce que il y a tout un process où il faut que je la décroche. Et puis, je joue avec ces lianes qui sont prises dans la suspension en bois de ma chambre. Donc, il faut que je décroche tout, etc. Donc, bref, c'est un petit peu complexe. Donc, c'est vrai qu'elle a tendance, la pauvre, à être oubliée. Mais écoutez, elle ne m'en veut pas. Elle est d'une facilité déconcertante. Donc, vraiment, pour les débutants, je trouve que de toute façon, en règle générale, les Monstera sont vraiment très, très, très chouettes. En 8e position dans ce classement, c'est ma Calathea Compact Star. Et oui, il y a une Calathea dans ce classement. Je sais que beaucoup d'entre vous sont fâchés avec les Calathea. J'ai pu être un petit peu fâchée avec certaines Calathea, mais pas toutes. Mais alors la Compact Star, j'en ai deux. Celle-ci, donc c'est celle de mon salon, et j'ai exactement la même. Dans ma cuisine salle à manger. Vous voyez, moi j'ai souvent des doublons. C'était quand j'avais commencé ma collection, et c'est vrai que
Plutôt que de m'aventurer vers des plantes inconnues, j'avais tendance à racheter les mêmes parce que ça fonctionnait. Donc c'est pour ça que dans ma collection, on retrouve parfois les mêmes exemplaires, même si maintenant j'ai changé hein, ma façon de faire. Et là, maintenant, quand j'achète une plante, je vais vraiment essayer de prendre quelque chose que je n'ai pas et qui ne ressemble pas forcément à ce que j'ai déjà. Mais voilà, la Compactar, donc ça fait un bout de temps que je l'ai. Et écoutez, voilà, pour les personnes qui aimeraient peut-être se réconcilier avec les Calathea, vraiment tenter la Compactar, je ne fais vraiment rien de particulier. La Compactar, elle a besoin d'eau, en tout cas chez moi, à peu près une fois par semaine. Et de toute façon, elle communique avec vous, elle vous dit quand elle ne va pas bien, quand elle est en manque d'eau. Donc c'est extrêmement facile, c'est-à-dire que ses feuilles se roule sur elle-même. Et c'est là que vous pouvez voir quand vraiment elle est en manque d'eau. Alors le mieux, bien évidemment, c'est de ne pas attendre qu'elles en arrivent là. Mais bon, bah, voilà, on est tous humains et c'est parfois pas forcément évident quand on a une grande collection d'arriver à gérer toutes nos plantes en même temps. Mais vraiment, elle communique avec vous et elle vous le dit. C'est un petit peu comme le spathiphyllum qui va complètement être rabattu. Là, vous savez que votre spathiphyllum, il a soif. C'est exactement pareil avec la Compactar, sauf que ses feuilles, vraiment, elles sont complètement repliées sur elles-mêmes. Et vous lui donnez de l'eau et le lendemain, elle est de nouveau aussi belle comme ici. Donc moi, comme je vous le disais juste avant, un petit peu d'eau une fois par semaine, c'est tout. Je lui donnais même des bons bains cet été parce que l'été, en tout cas chez moi, la Compactar boit énormément l'été. Je suis même, puis en même temps, on avait atteint des températures assez importantes. Mais l'été, je lui donnais de l'eau vraiment deux fois par semaine, hein, tellement elle avait soif et elle buvait. Limite, il faudrait peut-être que je lui mette un Noya. Il faudrait peut-être que je regarde ça pour l'été prochain, je verrai. Mais ça ne me dérange pas de lui donner à boire deux fois par semaine en été. Hein. C'est pas un problème pour moi. Elle draine vraiment très très bien. Enfin vraiment, cette plante, elle est super facile. Et puis bah, pareil, bah, je l'ai eu à Aldi. Celle-ci, j'ai gardé les anciennes étiquettes. Il faudrait que je m'en débarrasse maintenant des étiquettes. Mais ça, c'est les étiquettes d'Aldi. Donc vous voyez, comme quoi on peut aussi avoir des plantes de très bonne qualité dans des magasins de discount. La bille ne fait pas le moine, et puis je vois qu'elle est en train de me préparer des nouvelles feuilles. Elle me fait très très peu de feuilles jaunes, hein, vraiment, donc elle reste dense. Comme ça, j'ai pratiquement, je crois que j'ai jamais eu à la tailler, contrairement à la Wildstar qui est un petit peu plus compliquée. Non, non, vraiment, elle est topissime. Et écoutez, elle a pu avoir des petites cochenilles, me semble-t-il, mais vraiment, vraiment pas grave. Un petit peu de produit anti-cochenille et puis bah, c'est reparti. Et puis le peu de cochenille qu'elle a pu avoir, me semble-t-il, qu'elle a pas. Franchement, ça lui a pas fait grand-chose. Hein. Donc vraiment, elle est robuste. Donc je peux que vous conseiller de tenter la Compactar si vraiment vous êtes traumatisé par les Calathea. Je fais juste un petit point rapide sur. Deux autres Calathea, donc bah, que vous pouvez voir, ma Calathea White Fusion qui est, hop, que je vous montre, qui est ici, là, pardon. C'est difficile, je regarde avec le retour écran. La White Fusion, alors pourquoi elle ne fait pas partie de ce classement? Donc déjà, je l'ai eu fin 2022, donc de toute façon, je peux pas. Et mon retour d'expérience sur maintenant 2 mois n'est pas très bon. J'ai beaucoup de difficultés, je suis très déçue de cette plante. Je savais qu'elle était compliquée, la Calathea White Fusion, mais vraiment elle est très sèche. Donc est-ce que je l'arrose pas assez? Elle a plein d'endroits qui sont très très secs, donc je veille au grain, mais c'est vrai qu'elle est vraiment pas compliquée, qu'elle est vraiment pas facile, pardon. Donc voilà, il était impossible que je mette la White Fusion. Franchement, pour le coup, elle est trop difficile pour des débutants. Je pense qu'elle est trop trop compliquée. Et puis, je vous montrerai dans une vidéo prochaine ma Majestica qui m'a fait une nouvelle feuille. Donc, elle est en train de renaître. Donc, j'espère que la prochaine fois que je vous la montrerai en vidéo, ça ira mieux. Mais
Il y a du mieux, il y a du mieux. Mais voilà, je veux pas trop dériver. Là, on parle vraiment du classement, donc je vais continuer à vous montrer les autres plantes du top 10. Septième position dans ce classement, je pouvais évidemment pas ne pas vous montrer le Golden Pothos. Effectivement, que en tout cas, si vous êtes un plant addict, un plant lover, vous connaissez cette merveille. Alors moi, de toute façon, je fais définitivement partie de la team Pothos. Donc là, je vous montre le Golden. Mais enfin, clairement, j'ai envie de vous dire tous les Pothos. Tous les Pothos sont vraiment incroyables. Ça, c'est, je vous l'ai déjà montré, ça c'est mon plus beau Golden, qui est magnifique, incroyable. J'adore cette plante, elle est d'une facilité déconcertante. Elle a été détrônée, elle n'est pas numéro 1 parce que j'ai d'autres plantes que je préfère. Mais enfin voilà, là clairement, je vous montre quand même mon top 10. C'est vraiment des plantes que j'adore, j'adore, j'adore. C'était très très compliqué de les classer, hein, croyez-moi. Golden Pothos, c'est vraiment une plante qui est incroyable. Si vous êtes débutant, vraiment essayez de commencer par ce genre de plantes, par les Pothos. Ils sont hyper faciles. Que ce soit en plante tombante, si vous voulez les faire grimper, c'est vraiment génial quoi, les Pothos. Si vous voulez faire un cadeau aussi à quelqu'un, le Golden Pothos, c'est vraiment très très bien. Moi maintenant, je préfère offrir ce type de plante, je préfère offrir un Pothos à quelqu'un si je veux offrir une plante, que par exemple une orchidée, parce qu'une orchidée, alors c'est très sympa quelques semaines, voire quelques mois, et puis une fois qu'elle a perdu toutes ses fleurs, bah, il faut y aller pour refleurir une orchidée. Donc moi je préfère largement offrir ce style de plante. C'est vraiment hyper sympa. J'adore la forme de ses feuilles qui est un petit peu en forme de. Là un petit peu moins, mais parfois elle est bien en forme de cœur. Celui-ci un petit peu moins, mais c'est magnifique, c'est super. Voilà, il peut y avoir des très très belles variégations. Vous voyez là par exemple j'ai des feuilles qui sont très 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 belles. Hop, au niveau de tout en bas. Vous voyez, j'adore le graphisme de cette plante. C'est l'une des meilleures plantes au monde, le Golden Pothos. Je pense qu'on sera nombreux à le dire. Et ouais, je fais définitivement partie de la team Pothos parce que je crois que c'est les meilleurs. On se rapproche du top 5, mais en sixième position, je regarde mes petites notes, j'ai hésité, mais j'ai failli la mettre plus en haut du classement, mais bon, elle se retrouve quand même en sixième position. Je l'adore, c'est ma Dichidia Water Melon. J'adore cette plante. J'avais pas parié dessus quand je l'ai achetée, mais elle est d'une facilité incroyable, je l'adore, c'est vraiment une de mes préférées et elle me fait des pleins de fleurs. Alors là, elle en a plus actuellement, mais vraiment, elle me fait des fleurs absolument toute l'année. Elle a beaucoup poussé aussi depuis que je l'ai. Vraiment, c'est génial cette plante, c'est super. Je l'ai vraiment trouvée par hasard, je l'avais, je crois, en plus jamais vue. C'était vraiment une bonne surprise parce que je crois que moi je l'avais jamais vue sur des vidéos chez d'autres personnes. Donc je suis vraiment vraiment très très contente. Si vous entendez des bruits de croquettes, c'est normal, c'est Efki qui mange ses croquettes. Voilà, elle ne perd pas le nord. La petite mamie mange bien et est toujours aussi gourmande. Mais elle fait du bruit quand elle mange. Vraiment, voilà, Dichidia Watermelon, c'est une plante absolument génial. Je suis hyper contente de l'avoir. Il faudrait que je regarde un petit peu à quoi ressemblent d'autres Dichidia, mais vraiment cette plante-ci, mais elle est mais topissime. Je vous la montre d'un petit peu plus près. J'adore. Elle ressemble à des petites pastèques. C'est trop, trop, trop mignon. Alors là, ça y est, on est dans le top 5, donc vous allez vraiment pouvoir voir mes chouchous. Donc, dans le top 5, je ne pouvais pas ne pas mettre cette magnifique et facile l'Aglaonema Silver Queen. Bon, bah, il y a juste à la regarder, puis vous comprenez, hein, elle est
Mais divine, cette plante. Et alors, c'est ma toute première et c'est ma seule aglaonema. Donc voilà, j'y suis allée un petit peu à l'aveugle. Je l'avais vue en magasin. Je l'avais pas prise. J'y ai pensé pendant, mais je crois, un mois. Et en fait, quand je me suis décidée à aller la prendre, je crois qu'en plus, il y avait une promo. Enfin, mais c'était trop bien, quoi. Je l'ai eue à moindre coût. Elle était soldée. Je l'ai payée, mais quasiment rien. Moins de 10 euros. Et elle a poussé de dingue. J'ai trois pieds, en fait. Et elle est mais absolument magnifique, cette plante. Donc là, ça y est, j'ai assez de recul, en tout cas au niveau de mon retour d'expérience, pour vous dire que vraiment, RAS, rien à signaler, elle est simple. C'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Ben là, vous voyez les dernières feuilles qui se sont déroulées en haut. C'est un bonheur. Je vois qu'elle a d'autres feuilles là qui sont en préparation. Cette plante-ci me remplit de joie et je la trouve, mais d'une beauté. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. J'ai pas mal de feuilles là qui sont en préparation. C'est trop trop bien. J'en ai au moins deux. Voilà, que dire de plus. Elle a jamais eu de nuisible. J'ai jamais eu de problème avec elle. Si vous l'oubliez une fois, bon, elle vous en veut pas. Au niveau de l'arrosage. Franchement, cette plante, c'est que des avantages. Elle est superbe. Elle ne sèche pas, elle ne brunit pas. C'est très très bien. Par exemple, je ne vous ai pas mis dans mon top 10 mon croton pétra parce que il a perdu quand même quelques feuilles. Donc il n'est pas si facile que ça. Et il a le bout de certaines feuilles qui ont quand même séché. Donc je ne peux pas vous le mettre dans mon top 10 parce que ça veut dire qu'il y a quand même des complications. Alors que cette plante-ci, la glaonema, bah, c'est une pure merveille. C'est une pure merveille. Je ne peux que vous conseiller d'essayer de la tenter. Hop, je vous la montre de plus près. Je ne peux que vous conseiller de la tenter si jamais vous la croisez. Parce que, en tout cas, moi, vraiment, j'ai zéro problème avec cette plante. Et vraiment, c'est l'une de mes préférées de ma collection. Elle est absolument sublime. Quatrième position. Et celui-ci, vous le connaissez plutôt bien, je pense, maintenant. C'est mon syngonium, que j'adore. Mon monstrueux syngonium qui m'a fait développer un amour pour les syngoniums. Vous allez voir dans une prochaine vidéo, j'ai agrandi la collection de syngoniums. Voilà, c'est de la faute de cette plante-ci qui est un buisson. Et comme je vous l'ai déjà dit, je l'avais eu tout petit et il est juste énorme. Il est d'une simplicité déconcertante. Pareil que la Compact Star, ou si je devais vous parler de du Spatifilum, c'est un petit peu le même genre. Quand il a soif, c'est simple, il est complètement affaissé. Et vous lui donnez à boire le lendemain, hop, il a complètement remonté ses feuilles. Alors bien sûr, une fois de plus, je ne vous conseille pas d'oublier des arrosages ou d'aller, que votre plante manque d'eau, c'est sûr que c'est pas le but, mais bon, ben, une fois de plus, on fait comme on peut, et parfois c'est pas évident. Moi, personnellement, ça a pas été évident ces derniers mois, parce que j'ai énormément de choses à faire, donc forcément, ça a des conséquences sur mes plantes, hein, c'est clair que ça joue, quoi. Mais voilà, le syngonium, alors lui, il m'en veut absolument pas, et il est vraiment très très chouette. J'ai l'impression qu'il a un petit peu poussé que d'un côté, hop. Il faudrait peut-être que je le mette comme ça pour qu'il pousse un petit peu de l'autre côté, parce qu'il est quand même tourné vers la lumière. Mais voilà, si vous deviez avoir un premier syngonium, bah essayez de tenter celui-ci. Je suis dingue de cette plante, il est absolument magnifique. Et je l'ai changé de place puisque pendant pas mal de temps, il était dans ma chambre. Et c'est vrai que je passe pas tant de temps que ça dans ma chambre. C'est vraiment la pièce où je suis le moins, donc... j'avais moins d'occasion de l'admirer, donc j'ai décidé de le changer d'emplacement. Pour l'instant, il a pas l'air de m'en vouloir. C'est assez rare, hein, que je change les plantes de place, j'évite, parce que je sais qu'elles sont habituées à leur place. Mais écoutez, pour l'instant, RAS, hein, il n'est absolument pas compliqué. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas le mettre, parce que vraiment, c'est un de mes chouchous. Ouais. En troisième position, je vais vous la chercher, c'est bien évidemment ma Monstera Deliciosa
Variegata que j'aime énormément. Elle est magnifique. Alors bien sûr, moi, elle a encore des feuilles qui sont juvéniles. C'est vrai que je suis un petit peu impatiente. J'aimerais que ça aille plus vite. Mais bon, il faut laisser la nature faire. J'aimerais que ça aille beaucoup plus vite. Hein, et j'aimerais vraiment avoir des feuilles qui sont, on dit fenestrées, je crois, bah, comme ma Monstera derrière moi, où vous voyez, il y a des... Bah, c'est fenestré en fait. Là, moi, elle est vraiment encore au stade de bébé feuille. Mais écoutez, elle a bien grandi. Je suis hyper contente. Je vous cache pas que je songe peut-être à en prendre une qui est plus mature. Maintenant, ça dépend des prix. C'est si je trouve une bonne affaire. C'est vrai que je songe à en prendre une plus grosse et qui a déjà voilà, des feuilles un petit peu plus matures. Parce que je pense que ça va être très très long. Mais en attendant, je suis très contente de celle-ci. Elle est vraiment très très chouette. Je pense que je la rempote parce qu'elle se casse un petit peu la figure. Mais vraiment, elle est superbe. Hein. Moi, je suis ravie. C'est l'une de mes plantes rares. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'elle est rare, la Monstera Deliciosa Variegata? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est l'une de mes rares plantes rares. Et vraiment, elle est simple. Là, elle a encore les petites bestioles qui sont revenues. Je ne sais plus le nom que ça porte, mais on m'a bien dit de pas les tuer. Donc, je vous écoute. J'évite de les retuer. Mais vraiment, super. Franchement, même pour les débutants, ça va, cette plante-ci, hein, elle n'est pas contraignante, elle n'est pas compliquée, hein, vraiment. Pour le moment, en tout cas, moi, j'ai eu aucune attaque de nuisible. À part les petites bestioles qui sont là, mais apparemment, c'est complètement inoffensif pour la plante. Au contraire, ça va l'aider à se drainer. Donc bon, je les laisse tranquilles. Voilà, j'adore cette plante, même si voilà, je songe peut-être à reprendre la même en plus développée, mais ça reste une de mes plantes chouchou et j'ai été tellement contente le jour où je l'ai reçue. Deuxième sur le podium, le gros monstre qui se trouve en haut de ma bibliothèque, je vais le chercher, je suis obligée de prendre mon escabeau. Mon énorme et très lourd Raphidophora tetrasperma. Bon, ai-je vraiment besoin d'expliquer pourquoi? J'aurais peut-être dû mettre un tuteur quand il était petit. Effectivement, c'est peut-être une erreur de débutante. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je l'aime comme ça. Même si j'ai beaucoup de mal à lui trouver une place, mais il est extraordinaire. Il est juste extraordinaire. Je ne sais même pas si vous pouvez vous rendre compte de l'envergure de cette plante. Si je prends un petit peu de recul, là, ça va vous donner une meilleure idée. Cette plante-ci est incroyable. Incroyable. Et je vois souvent des Raphidophora tetrasperma sur d'autres chaînes YouTube. Parce que c'est une plante que beaucoup de collectionneurs aiment avoir, mais de cette taille là en tout cas, bon, évidemment je connais pas toutes les chaînes, loin de là, mais de cette taille là j'en ai jamais vu. Il est extraordinaire, il est vraiment extraordinaire. C'est une plante d'une facilité, je n'ai rien à faire, c'est simple, j'ai rien à faire. Il n'a absolument jamais eu de nuisibles. Il supporte très bien le manque d'eau si, pareil, une fois de plus, j'ai des petits retards. Il est top. Elle est top, cette plante. C'est incroyable.
C'est incroyable. C'est du robuste, c'est du solide. Là, elle m'a fait. C'est trop mignon. Elle m'a fait cette petite feuille là en haut. Je la trouve, mais trop, trop, trop mignonne. Je rêve, pareil, hein, comme la Montserrat dans Sony, de la voir en variegata. Bon, au niveau du prix, laissez tomber. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Je crois que je l'ai vu sur Plante Harmonie. Ou Harmonie Plante, pardon, je me trompe. C'est Harmonie Plante. Et vraiment beaucoup trop cher, mais oh, c'est de la dinguerie cette plante. C'est de la dinguerie. Et j'ai pas envie. Alors j'ai fait une bouture il y a pas longtemps pour l'offrir à quelqu'un, mais j'ai pas spécialement envie de la couper. En fait, moi j'aime bien le fait que ce soit devenu un monstre. J'aime beaucoup, donc je ne compte pas la couper. Je l'aime énormément comme ça. Le plus compliqué, voilà, c'est de lui trouver une place maintenant. Mais bon, maintenant elle trône en haut de ma bibliothèque et ma foi, c'est pas mal aussi. En plus, ça évite à mes chats de monter et de faire des bêtises sur la bibliothèque, donc c'est très très bien. Ma foi, on a joint l'utile à l'agréable. Mais vraiment, je suis en amour devant cette plante et là, je suis en train de regarder. J'ai plein de feuilles qui sont en préparation. J'en ai plein partout. Franchement. Ouais, j'en ai presque 10. C'est vraiment trop trop cool. Et enfin, la première sur le podium, c'est bien évidemment la Monstera Deliciosa, la verte, la classique. Mais voilà, qui est le monstre pareil de ma collection. D'ailleurs, je l'ai changé de place il n'y a pas longtemps. Je l'ai mise un petit peu plus en évidence derrière le canapé parce que je trouvais qu'on ne la voyait pas. Hop. Et bah écoutez, que vous dire, c'est pareil, elle est absolument sublime. Si vous voulez vraiment donner cet effet jungle dans votre intérieur, et bah choisissez la Monstera Deliciosa. En plus maintenant on la trouve vraiment pour des prix peu chers, je trouve. Vraiment elle est superbe, elle est facile, pas de nuisible. C'est pareil, s'il y a un petit défaut d'arrosage, elle vous en voudra pas trop. Vigilance néanmoins parce que je crois que je l'ai oubliée à un moment donné et elle a un petit peu bruni malheureusement sur ses feuilles. Donc vigilance quand même par rapport à ça. Elle a quand même besoin de son eau, hein. Faut vraiment faire attention. Moi j'ai un petit peu, je l'ai un petit peu oubliée et je l'ai un petit peu payée. Mais bon, vous voyez, elle est absolument magnifique, hein, regardez par rapport à ma main. Et encore, moi j'ai pas une Monstera Deliciosa qui est ultra mature non plus, hein. C'est-à-dire qu'elle pourrait être encore plus mature que ça. Et puis bah, c'est pareil, elle me fait régulièrement des nouvelles feuilles. Là par exemple, j'ai une nouvelle feuille ici qui est d'un vert absolument magnifique, un vert très très tendre. Donc vraiment pareil, hein, pour les débutants, finalement, une Monstera comme ça, c'est pas si mal, hein, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, mais. Bon, en fait, si vous voulez, je me considère encore comme débutante, hein. Vraiment, ce que je vous partage, c'est vraiment des retours d'expérience. Et vraiment, bah, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec mes plantes. Et c'est vrai que du coup, enfin, je me prends absolument pas la tête avec cette plante. Elle est très simple et vraiment, elle fait tout de suite son effet. Donc voilà, forcément, j'allais la mettre en numéro 1 parce que je suis très fière de cette plante et vraiment, elle apporte une classe dans un salon, je trouve. Enfin, elle est superbe, je l'adore. Moi, je sais que ma sœur en avait une plus grosse que celle-ci, je crois. Malheureusement, elle ne l'a plus à l'heure actuelle. Et à l'époque, j'étais pas du tout fascinée par les plantes. Je m'en préoccupais pas, ça m'intéressait pas, mais j'avais quand même remarqué que cette plante avait une gueule incroyable et vraiment elle faisait son effet. Donc voilà, en numéro 1, c'est mon gros chouchou et vraiment j'ai hâte qu'elle grandisse encore plus,
qu'elle me fasse des feuilles encore plus matures. Vraiment, je tiens beaucoup à cette plante. Je serais vraiment ravie si vous, en commentaire, vous me mettiez aussi votre top 10 des plantes qui vous ont le plus satisfait en 2022. N'hésitez pas un petit peu à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère en tout cas que voilà, cette présentation, mon top 10, vous aura plu, vous aura peut-être inspiré, vous aura peut-être enlevé des craintes par rapport à la Calathea par exemple. Vraiment, essayez de tenter la Compact Star, ça peut être intéressant. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous montrer mon top 10 de 2022. Et puis ce qui sera marrant, ce sera de comparer pour l'année prochaine. On verra mon top 10 de 2023, ça peut être rigolo. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner, hein, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à bien mettre la petite cloche pour activer toutes les notifications. Comme ça, vous serez au courant à chaque fois des sorties de mes vidéos. Je suis également sur Instagram, j'essaye de poster régulièrement, même si je suis moins régulière que YouTube. Mais n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Moi, je vais vous laisser, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches, bien sûr. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.